la grande croisade évangélique dénommée le déplacement de la nuée qu'organise l'église Cité Bethel Bakwatimouna, que dirige le révérend pasteur Jean Bouy le Général, est entré dans sa deuxième journée ce vendredi 5 avril 2024. À cette deuxième journée de la campagne, plusieurs chorales venues de différentes églises ont agrémenté la manifestation avec les cantiques de joie à la satisfaction de tous sous la modération magistrale de l'évangéliste Freddy Mouchia. Intervenant pour s'entretenir avec la foule venu pour la circonstance, le révérend pasteur Jean Bouilly, le général, a fait lire l'évangile selon Jean chapitre 5 verset 1 pour exploiter son grand thème de la croisade, la grâce brise les lois de la nature. Dans sa prédication, l'homme de Dieu a fait savoir qu'il y a des gens qui demandent beaucoup de choses à Dieu mais ils ne reconnaissent pas la valeur de la grâce. Poursuivant son message, le responsable de Cité Bethel Bakwatimouna a signifié que la grâce est une faveur accordée librement à celui que Dieu veut. Là où il y a la grâce, les choses se font facilement, a martelé le ministre de Dieu. On peut acclamer pour cette parole. Que Dieu vous bénisse. Le thème central est intitulé la grâce brise les lois de la nature. La grâce brise les lois de la nature. Vous savez, les gens qui prient, ils demandent l'argent, ils demandent le mariage, ils demandent le voyage, la guérison, la santé physique, mais les gens ne connaissent pas la valeur de la grâce de Dieu. Or, entre l'argent et la grâce, il y a la différence. La grâce est plus que tout le monde, que toutes choses que nous voyons. Si tu as la grâce, c'est-à-dire tu es dans la présence de Dieu, tout ce que tu cherches, ni l'argent, ni le mariage, tu ne dois pas te trouver à tes propres capacités. Mais tu dois trouver ça à travers la grâce de Dieu. Puisque la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est la faveur imméritée. Amen, amen. Amen. Je peux vous donner trois définitions de la grâce. Si dans 10 minutes, je termine. On peut te poser la question. Qu'est-ce que la grâce de Dieu? J'ai trois réponses. La première réponse, tu dois dire ceci. La grâce de Dieu est une faveur accordée librement à celui que Dieu fait. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes intelligent? Qu'est-ce que la grâce de Dieu? La grâce de Dieu est une faveur accordée librement à celui que Dieu fait. C'est-à-dire, la grâce de Dieu, l'oussa, c'est la faveur que Dieu fait librement à quelle personne c'est celui que Dieu lui-même est. Moïse, dit à Moïse, je fais grâce à qui je peux faire grâce. C'est-à-dire grâce aux amis qui ne pas. C'est-à-dire la grâce de Dieu, on l'a reçu. Grâce aux amis, c'est une faveur imméritée. La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Écoutez, c'est-à-dire que nous sommes ici. Il y a quelqu'un d'autre. Voyez que le moto. Pour acheter la moto. C'est moi s'il prie beaucoup. C'est moi s'il monte à la moto. C'est moi s'il fait les choses. C'est moi s'il fait les choses. Il y a quelqu'un d'autre. Vous pouvez faire des choses.
Là où il y a la grâce de Dieu, les choses se fassent facilement. Mais toute grâce que tu forces mal. Celui qui a la grâce ne fasse pas les choses. Ouais, moi, ben, mais nous devons être grâce de l'homme. Tu vas voir la grâce. Ouais, moi, ben, mais nous devons être grâce de l'homme. Tu vas voir la grâce. Toute grâce Wanzam. Qui a la grâce de Dieu? Tout est bon, tout temps. Mais pas tout match par le coup qui va. Je viens les rechercher. Toute grâce Wanzam. Qui a la grâce de Dieu? N'achète plus tout les biens de mon monde. Les choses les suivent. Balunga se Wanzam. C'est la grâce de Dieu. Amen. On vient de chercher la beauté physique. Cherchez la grâce de Dieu. Qui est d'accord avec moi qui dit Amen? Celui qui est d'accord avec moi qui dit Amen? Celui qui est d'accord avec moi qui dit Amen? Celui qui est d'accord avec moi qui dit Amen? Celui qui est d'accord avec moi qui dit Amen? Celui qui est d'accord avec moi qui dit Amen? Celui qui a dit Amen, que Dieu lui fasse grâce. Dans son speech, l'homme de Dieu a prononcé les paroles de bénédiction à toute la foule en disant « S'il y avait une loi dans leur vie, la grâce de Dieu brise cette loi », a renchéri l'orateur. Celui qui sera le roi d'Israël, acclame pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup mon fils, et Dieu te bénisse.
Après cette prédication, tout le monde s'est plongé dans une forte prière. Les guérisons miracles ont été enregistrées et plusieurs âmes ont été gagnées à Christ. La manifestation s'est poursuivie samedi 6 avril 2024 pour les comptes de la troisième journée sur le terrain Saint-Paul, Bakwati, Monaco. Money, 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 money.